vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir quitter la France. Insécurité, ambiance délétère, inflation, baisse du pouvoir d'achat, bref, de nombreuses raisons vous poussent à vouloir vous expatrier et l'envie de soleil. Dans cette vidéo, nous allons voir tous les freins qui vous empêchent de sauter le pas et nous allons ensemble, point par point, vous expliquer comment lever tous ces obstacles et transformer votre désir en réalité. Bienvenue sur la chaîne Les Immigrés, je suis Amel, cofondatrice de la chaîne avec Marwan. Je suis CEO d'une startup tech et business mentor et coach en ligne. Et moi, je suis Marwan, cofondateur de la startup et consultant en organisation et gestion des entreprises. Savez-vous que les premiers freins qui vous empêchent de vous expatrier sont d'ordre du psychologique? Le premier frein que l'on a recensé est celui de la famille et aussi du cercle amical. La plupart des gens avec qui on a échangé et nous-mêmes ont du mal à partir parce que leur famille va leur manquer ou que leur famille leur dise qu'ils vont leur manquer. Vous avez compris quoi? En tout cas, c'est compliqué, surtout pour ceux qui sont proches de leur famille et qui se voient 4 à 5 fois par semaine, le week-end, la maman qui garde les enfants, ça peut être compliqué, on est d'accord avec vous. Effectivement, c'est un frein, d'ailleurs c'est le frein que moi-même j'ai vécu et on ne s'y attendait pas. Mais on a mis en place un certain nombre de choses avec Marwan avant notre départ et c'est ce qu'on va vous partager. Donc avant de partir, on a décidé de discuter avec nos familles respectives et avec nos amis et notre cercle intime. Tout simplement pour préparer bien en avance notre départ afin que ce ne soit pas une surprise et qu'il tombe des nues. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est la communication. Même si les moments vont devenir beaucoup plus rares, ils seront beaucoup plus intenses. Parce que quand on va décider de se voir une à deux fois dans l'année, voire trois fois selon la distance géographique entre votre famille et votre lieu d'expatriation, eh bien, les rencontres avec vos proches seront beaucoup plus intenses et mémorables. Autre point pour communiquer avec votre famille et créer un réseau de soutien. Parmi votre famille ou vos amis, vous aurez toujours quelqu'un dans votre famille, votre frère, votre mère, votre père ou dans vos amis qui vous soutiennent dans votre projet d'expatriation. Ils vous donneront de la motivation, ils vous diront que suivre vos envies, vos rêves est bien. Et ben, accrochez-vous à eux parce que vous allez voir, ils vous donneront de l'énergie pour traverser cette tempête. L'autre frein qui peut bloquer beaucoup de personnes, ben c'est le travail. C'est la deuxième chose la plus importante. Je dirais même, c'est peut-être souvent pour beaucoup la plus importante, ils se disent mais qu'est-ce que je vais faire quand je vais partir? Ici je connais tout, je connais le marché, j'ai l'habitude, je peux trouver un travail facilement. Mais ça c'est vraiment l'ordre du psychologique, pourquoi? Parce qu'on imagine qu'il n'y a pas d'opportunité ailleurs, alors que parfois il en y a beaucoup plus qu'il peut y en avoir dans votre pays d'origine. Que ce soit dans un pays développé, aux États-Unis, au Canada d'ailleurs, ils demandent tellement de compétences, mais aussi dans les pays en voie de développement, que ce soit en Afrique ou en Asie, il y a des opportunités énormes. Le travail, c'est souvent ce qui va freiner le plus les personnes parce qu'ils se disent comment je vais vivre quand je vais quitter la France. Je peux le comprendre, les peurs sont grandes, vous avez l'habitude de votre pays, vous savez comment trouver du travail, comment faire de l'argent, mais à l'étranger, vous vous posez plein de questions. Rassurez-vous, les opportunités sont énormes et d'ailleurs, vous avez trois choix de toute façon. Soit un contrat d'expatriation, c'est-à-dire votre boîte qui vous propose un poste à l'étranger. Deuxième choix, c'est chercher un poste depuis chez vous à l'étranger. Il y a des offres en ligne que vous pouvez déjà postuler. Et notamment, je dis le Canada parce qu'il recherche beaucoup de compétences. Et aussi, il y a le troisième choix, ça va être de créer son propre business. Mais pour ça, je laisse la parole à Amel. Pour notre part, on a vécu les deux dernières situations. C'est de quitter son travail en France pour Marwan. Et moi, c'est mon business en ligne qui nous a permis de nous expatrier en sécurité parce que j'avais des revenus qui étaient déjà très confortables grâce à mon activité d'infoprenariat, de coaching et de business mentorat sur Internet. Le troisième frein qui va vous empêcher de partir, ça peut être la langue. Tout simplement, aller dans un pays non francophone peut vous faire peur. Mais il y a quand même la solution de vous expatrier dans un pays francophone. Il en existe un certain nombre, comme un certain nombre de pays en Afrique, les îles, le Canada, la Suisse, le Luxembourg et la Belgique, pour ne citer que ces pays-là.
Ensuite, la deuxième option, c'est d'aller vers un pays anglophone. Je sais, nous les Français, on n'a pas super bien appris l'anglais à l'école, mais c'est possible d'améliorer son niveau en anglais, hein Marwan ? Tout à fait. Écoutez, je prends des cours et j'avance. Moi, j'y crois. T'es passé du niveau le plus bas, je sais plus, c'était C2 à... Ah, je suis déjà B2. Tout à fait, ça avance. Juste avec aujourd'hui les applications, des cours en ligne, ça va très vite. Yes, I improve my English all days. Bon, vous voyez, c'est encore moyen, mais c'est pas grave, j'arrive à me faire comprendre. Exactement. Et ça vous ouvre un éventail de possibilités, de perspectives, de pays dans lesquels vous expatriez quand vous commencez à vouloir parler anglais. Le quatrième frein à votre expatriation est le système de santé. Je le sais, nous le savons, en France, il y a... qu'on le dise ou non, ne vous énervez pas, le système de santé en France est bon. C'est vrai, on rembourse la majorité des choses, malgré de moins en moins, c'est vrai. Mais malgré tout, il est bon, le corps médical est bon, on est accueilli d'une bonne manière et on a confiance en l'expertise des médecins. Et ça peut faire peur de se dire à l'étranger comment ça se passe. Rassurez-vous pour plusieurs choses. La santé a bien évolué dans beaucoup de pays. Aujourd'hui, si vous allez, certains s'expatrient par exemple en Turquie ou au Maroc, il y a des hôpitaux à la pointe de la technologie. À l'île Maurice aussi, il y a de très bons hôpitaux. Et dans beaucoup d'autres pays dont on n'imagine pas, vous allez avoir un service médical très correct. Et après, concernant maintenant le coût, c'est vrai, il risque d'y avoir un coût comparé à ce que vous pouviez vivre en France puisqu'on a la carte vitale et la prise en charge de beaucoup des soins. Mais malgré tout, vous avez des alternatives. La CFE, la cotisation des Français expatriés, c'est une alternative de choix au début qui vous donne droit à garder... La caisse des Français à l'étranger. J'ai dit quoi ? La cotisation des Français expatriés. La caisse des Français à l'étranger. Voilà, merci. Parce que c'est même pas ça. C'est ça, c'est ça. La caisse des Français à l'étranger, c'est une assurance. C'est comme en fait, comme si vous conserviez encore votre carte vitale qui va vous permettre de vous faire rembourser vos frais à l'étranger, à peu près sur les mêmes taux que la carte vitale. Bien sûr, il faudra compenser ça avec une assurance santé, une mutuelle à l'étranger. Mais en tout cas, ça vous donne le luxe d'avoir une partie de vos soins à l'étranger pris en charge. Et si vous revenez en France pour les vacances, eh ben vous aurez aussi la prise en charge de vos soins en France. Maintenant que tu sais que tu as juste une envie, c'est te barrer et de vivre l'aventure de l'expatriation, tu as une question en tête, c'est... Mais où est-ce que je vais vivre ? Et où est-ce qu'on va s'installer avec notre famille ? Effectivement, le monde est vaste et il va falloir faire un choix, même s'il n'est pas définitif. Et pour faire un choix, il faut tout d'abord écrire des critères de choix. Tu ne peux pas choisir un pays si tu ne sais pas d'abord qu'est-ce que tu veux y trouver dans ce pays. Et c'est quoi les critères de choix ? Ça va être la langue. Est-ce que je veux un pays où on parle français, anglais, espagnol, arabe, chinois ? D'accord ? Ensuite, ça va être est-ce que je veux un pays où je peux obtenir la nationalité ? Bah oui, parce qu'il y a des pays, si tu restes 5 ans, 10 ans, tu peux obtenir la nationalité. Ça peut être une motivation. Le critère, ça peut être le niveau des écoles. Je veux un endroit où il y a des bonnes écoles. Le critère, ça peut être également la sécurité. Je veux un pays où ça soit safe et ainsi de suite. Tous ces critères, ils vont être déterminants pour le choix de ton pays et tu verras que les critères vont vite c'est resserrer l'étau et faire un entonnoir. Exemple, si tu veux un pays où il fait super beau, il y a des belles plages et qu'on parle français, tu verras qu'il n'y en a pas beaucoup. Exactement. Et c'est ce qui fait qu'on a atterri à l'île Maurice. On vous met en lien, vous pouvez télécharger pour vous aider, c'est offert un tableau comparatif. Ça sera à vous de le saisir, mais vous allez voir, il y aura déjà une liste quasi complète de critères et qui vous permettra de comparer les pays que vous aurez sélectionnés. Je vous laisse le télécharger en bas en description. Avant de passer à la partie où on va t'expliquer comment bien préparer le suivi administratif et préparer ton départ comme il se doit, mets-nous un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Maintenant, pour préparer votre départ, une fois qu'on a passé les freins psychologiques, il va falloir régler les sujets administratifs et fiscaux pour partir nickel. Nous, on y attache beaucoup d'importance, alors on vous livre là tous les éléments importants. Première chose,
avec l'administration fiscale. Il faut les prévenir et les avertir si vous décidez d'être résident fiscal à l'étranger. Comment ça se passe? Directement sur votre compte administration fiscale, impôts.gouv, voilà. Et dedans, il y a un endroit où vous pouvez déclarer que vous n'êtes plus résident fiscal en France à partir de telle date. Et ensuite, vous basculerez du coup sur un régime d'imposition pour les étrangers. Nous l'avons fait immédiatement. Quand nous sommes partis, nous avons mis la date exacte à laquelle nous sommes arrivés sur l'île Maurice. Ceux qui ont des allocations, mettez-vous en contact avec les services concernés. Le site de Amélie, de la CAF, voilà. Ils vous indiqueront les choses à faire pour être dans les clous. Autre point dont peu de personnes ne parlent est la banque. La banque est importante, surtout que vous avez toujours vécu en France, tous vos fonds sont en France. Donc, mettez-vous en relation avec votre banque pour leur demander est-ce qu'ils acceptent de vous garder même si vous êtes résident fiscal à l'étranger. Il y a plusieurs banques françaises qui acceptent et d'autres qui refusent. Et là, il faudra tout simplement changer de banque. Et il y a même des néobanques s'il le faut, si vous devez changer, et qui permettent d'être français résident à l'étranger et d'avoir une banque européenne. Oui. Si vous êtes propriétaire de votre propre bien immobilier, eh bien, vous allez devoir prendre une décision, est-ce que vous le vendez ou est-ce que vous le mettez en location? Et là, c'est un choix qui est personnel. Alors, les avantages et les inconvénients. Donc, les avantages de conserver votre bien en France, c'est de vous permettre de conserver un pied à terre dans votre pays, là où vous êtes né, où vous avez grandi. Et le deuxième avantage, si vous le mettez en location, ça va vous permettre d'avoir une rentrée de loyer. Et donc, si vous avez un crédit qui est terminé ou qui est tout petit, ça va vous permettre d'avoir des rentrées d'argent régulières mensuelles. Par contre, donc, l'inconvénient d'avoir du coup une maison en location, c'est toute la gestion locative. L'avantage plutôt de vendre votre bien immobilier serait de vous constituer un capital de départ pour préparer votre expatriation et vous installer dans de bonnes conditions. Parce que ne l'oublions pas, s'expatrier demande un budget. On ne part pas comme ça avec 0 euro en poche, c'est impossible pour s'installer. Il y en a qui l'ont fait, mais bon, ils partent tout seuls en général en mode sac à dos. Voilà, on a parlé du bien immobilier, mais maintenant concernant vos effets personnels. Vous devez vous en douter, j'en suis sûr, beaucoup parmi vous avez entreposé et stocké plein de choses chez vous. Ça s'accumule. Mais qu'est-ce qu'on en fait quand on part? Alors vous avez le choix. Soit vous allez remplir un conteneur et vous emmenez tout. Et on a des amis, hein, personnellement, ils ont ramené leur frigo, ils ont ramené leur canapé, tout, télé, outils, tout. C'est vrai, les rideaux. Les dessous de drap, tout. Vous pouvez faire ce choix-là. L'inconvénient, c'est que vous allez payer, bien sûr, le voyage de tous ces effets personnels. Ça a un coût. Et l'inconvénient également, l'inconvénient que vivent nos amis actuellement, c'est que souvent, quand vous allez arriver dans un pays, vous allez vouloir une location meublée. Et, ou bien le choix va être sur. Il y aura du choix dans les locations meublées. Et là, ça fera doublon. Donc vous allez vous retrouver avec vos affaires sur les bras. Mais ça peut vous rassurer. Ça peut rassurer vos enfants. Je peux comprendre d'avoir ses propres biens. Maintenant, vous pouvez faire le choix de tout vendre. Nous, c'est ce qu'on a fait. On est parti avec 4 valises. On a vendu, donné, jeté. Et ça fait plaisir. C'était un vrai exercice spirituel. On a déjà parlé dans une autre vidéo qu'on vous mettra en lien sur notre expatriation. Et certains qui tentent l'aventure en se disant « je ne sais pas si je reviendrai » décident de stocker tous leurs biens et leurs effets personnels dans des stockages. Tout simplement en se disant « quand je reviendrai, si je reprends un appartement, j'ai rien à racheter ». Nous voici déjà à la fin de cette vidéo et c'est vrai que l'aventure de l'immigration et de l'expatriation, ça fait peur. Franchement, c'est incroyablement effrayant avant de partir. Le plus dur, c'est de sauter le pas, de préparer sa propre famille, son conjoint, ses enfants et d'en parler à son entourage le plus proche. Et quand ça s'est fait, qu'on est soutenu, eh bien c'est beaucoup plus facile. Sachez que cette aventure apportera énormément à vos enfants, à vous-même sur un plan personnel. Vous allez vivre des choses que vous ne vivrez jamais si vous restez aujourd'hui dans votre quotidien. Vous vivrez des expériences et on est convaincu aujourd'hui que le bonheur, il se trouve dans l'expérience, bien au-delà que dans le matériel. Moi, j'ai envie de terminer sur le fait que n'ayez pas peur, soyez rassurés sur le fait que vous allez trouver de très belles opportunités d'affaires, que ce soit en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur. Pour ma part, ma vie entrepreneuriale a
complètement changé. J'ai un réseau qui est présent, qui me soutient, que je soutiens, avec des rencontres régulières et des opportunités qui se sont présentées à moi qui sont juste incroyables. Donc, rassurez-vous, vous allez découvrir une nouvelle carrière que vous n'auriez même pas pu imaginer dans votre vie actuelle. C'est bon, j'ai encore plein de trucs à dire pour vous faire rire, mais la vidéo va être trop longue. Expatrié. Hey, t'as kiffé notre vidéo? T'as kiffé ou pas? T'as kiffé? Mets un pouce, abonne-toi et surtout, télécharge le guide ou une autre ressource qu'on t'offre sous cette vidéo. Ciao, ciao!